pratiquement qui ne sortait pas, je me suis trouvé à la tête de Harki. C'était une espèce de bande, une espèce de horde qui faisait la guerre. Et me trouvant à la tête de cette horde, vraiment par hasard, parce que je ne suis ni par goût, ni formation, ni guerrier, ni violent, j'ai horreur de cela, je démarrais le métier d'enseignant dans le civil, le métier que j'exerce toujours et auquel je crois. J'avais vraiment l'impression d'être l'agneau parmi les loups et pas le loup dans la bergerie, pas du tout. Et il se disait dans cette horde, je ne l'ai jamais vérifié, mais qu'avant moi, on avait violé quelques bergères au hasard d'une fouille de Talweg. Et puis, un de mes premiers contacts fut avec un de mes harkis, que j'ai toujours présent sur le cœur et sur ma conscience aujourd'hui, il s'appelait Madeng Larbi, qui lui m'a tout de suite demandé, dès qu'il y aura un prisonnier, de lui laisser, afin qu'il puisse le tuer au couteau, parce que c'était mieux, et il souhaitait manger son cœur. Alors tu vois là, on ne s'arrête pas, mais je crois pratiquement que ce panneau n'a pas changé, alors que les autres ont changé. Il m'attend 7 km, nous montons, Nzoubia est au-dessus, et il y a précisément un endroit, on s'arrêtera en montant, où il y avait une embuscade qui faisait que chaque fois qu'on passait, on faisait très très attention. C'est sur la route. C'est vrai d'ailleurs, j'ai l'impression que le panneau n'a pas changé là. Ils maintiennent. Alors de l'autre côté, ils ont mis en arabe. Puis pas sûr, regarde l'eau qui ressort, c'est absolument vraisemblable. T'avais jamais vu ça alors? Non. Alors vraiment, je ne me souviens pas avoir trouvé ce genre de choses. Ce fut une guerre de la soif. Je n'ai jamais connu la faim en Algérie, mais j'ai connu la soif. Ce fut une guerre des souffrances et des maladies, le paludisme, la dysenterie, etc. Et aussi une guerre de la peur. Et les anciennes limites du poste, où est-ce que ça passait? Je cherche là, je ne reconnais pas alors. Hein. Les anciennes limites, ça devait être là, le Mirador. On va continuer par là. C'est toujours dans ma maison, est-ce que ça ne serait pas celle-là? Enfin, la maison où je couchais, où il y avait ma chambre. Voilà. Elle était bien cette maison, c'est... Oui, mon fils me fait une remarque tout à fait gentille, je trouve, il me dit rien n'a changé depuis ton départ, ils ont mis une bourrico à la place. Et là, c'était donc effectivement, je comprends pas que cette maison soit abandonnée parce qu'elle était bien. Non, parce qu'il n'y avait pas le propriétaire, il l'avait tagé, c'est tout. Ah, parce que là, moi, c'est... Et là, il a construit une autre maison sur ce côté. Ah, là, il a abandonné ça, il l'a laissé comme ça. Voilà. Alors, tu me dis la prison où était ton... Je vais l'entendre maintenant. On va aller voir. Qui c'était que... Mais il n'est pas encore tombé, c'est-à-dire il est habité maintenant. Et qui c'était que j'avais mis en prison? C'est mon cousin. Non, on a connu la peur. Oui, c'est pas dans moi. Je crois qu'on a connu la peur, la véritable peur. J'ai eu peur... Il y a 36 000 et une forme de peur, parce qu'en fait, la question qu'il ne faut jamais poser à quelqu'un, que tu ne m'as jamais posé et qu'il ne faut pas me poser, as-tu tué quelqu'un? C'est pas comme ça, je crois, qu'il faut poser la question. Tu ne l'as pas posé. Tu me l'as posé. Non, je répondrai non, mais à la limite, je ne sais pas, parce qu'il m'est arrivé de tirer, mais je n'ai jamais réellement vu le résultat de ce que j'avais fait. Tu l'as pas alors, parce que tu n'as pas voulu le voir? Non, c'est difficile, parce que ceux qui sont en face également avaient la même intention que moi. Alors, c'est pas aussi facile que cela. Pourquoi tu m'en as pas parlé un petit peu de tout ce passé, de toutes ces années passées en Algérie Oui, parce que je peux aussi. Bien sûr, j'en ai entendu parler, mais pas précisément, je sais pas trop ce que tu as fait. Tout ça. Oui, pour inversement, te demander pourquoi tu m'as jamais posé la question. Parce que je pense que c'était plus facile à toi de m'en parler, moi, jeune et tout, enfant. Oui, c'est vrai, non mais c'est vrai. De mon éducation. Non, mais je vais pas me dérober, je pense que... L'Algérie, je l'ai déjà dit, et tu le sais, pendant 20 ans j'ai rêvé à l'Algérie, je dis 20 ans parce que j'ai un repère, et que j'ai rêvé à tout un tas de choses, j'ai rêvé à des... nous rentrions d'embuscade un matin, et à 6h du matin, dans la forêt, si nous y allons, je crois que je trouve la route, quoique ça ait changé beaucoup, elle venait de la forêt des Hurlamels, on trouve une femme qui sortait de la forêt, il était 6h05, 6h10. Et le couvre-feu était jusqu'à 6 heures. Ça veut dire qu'elle n'avait rien à faire là. Ça veut dire que là, moi, elle prenait une rafale de PM, elle l'a gardée, elle n'avait rien à dire. Elle n'aurait rien dit d'ailleurs. Bon, mais ça n'a jamais été le style de la maison. Et Merki non plus.
Donc on l'a arrêtée, je lui ai demandé d'où elle venait. Alors elle m'a trouvé un tas de trucs, elle venait, elle était sortie de chez elle, chercher du bois. Bon, les harkis savaient fouiller comme il fallait fouiller. Et alors dans le bas de sa robe, là en touchant extérieurement, hein, il savait exactement comme quand on fouillait dans les cheminées, ou sous les tas de les déchets, je ne sais plus comment ça s'appelle, d'olives, là. Ils allaient gratter, je revois, avec le queue du PM, et c'est là qu'on trouvait parfois de l'argent. Bon, alors, elle avait, là, cousu dans le bas de sa robe un billet de 100 francs. Bon, 10 000 anciens francs en 1961, pour donner l'échelle, un harki gagnait 24 000 anciens francs par mois, et moi, je gagnais 75 000 anciens francs comme sous-lieutenant. C'était une somme énorme, dont elle n'a pas pu donner la provenance. Bon, manifestement, encore une fois, cet argent venait du maquis. Bon, je partais en opération, je l'ai laissé au 28e BCA, les chasseurs alpins, qui étaient à Hellfly, et je l'ai revu le soir. Bon, c'est quelque chose aussi, c'est une image épouvantable, parce que on avait mis comme officier ici un appelé du contingent, comme moi, qui est arrivé dans le même poste que moi dans la vallée de la Souma, mais le symétrique. Eh bien, le résultat, c'est que j'ai vu cette femme le soir. Et c'est une image aussi qui ne me hante plus pour le moment, mais qui m'a hanté longtemps. Car je l'ai vue allongée sur le ciment, je l'ai vue, lui, sauter à pieds joints sur elle. Bon, je parle de torture. Où commence la torture? Où finit-elle? Je ne sais pas ce qu'il a fait avant ni après. Et je le revois, lui, également, m'inviter à participer à la fête, si j'ose dire. Et j'ai vu également, j'ai des choses, bon, c'est des détails, si tu veux les savoir, je te les donne. J'ai vu cette femme qui évacuait tout, ça partait par tous les côtés. Elle était nue sur du ciment, par terre. Pourquoi? Est-ce que cette femme allait changer encore quelque chose au destin de l'Algérie? Et cette femme, je suis indirectement responsable d'elle, je ne sais pas, après ce qu'elle est devenue, je ne sais pas si elle est... Bon, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Mais il y a une foule de choses comme ça qui reviennent. Il était connu que tous les paysans de la région, etc., les petits épiciers, les commerçants, versaient chaque mois une certaine somme, qui doit représenter à peu près 5 francs de... 5 nouveaux francs, quoi, 5 francs actuels, par mois. Et donc, le jeu était un peu simple. On passait dans un doigt, on ramassait quelques suspects, entre guillemets, et il y avait un petit interrogatoire poussé, jusqu'à ce que le gars dise à qui il versait sa contribution au FLN. Et ensuite, on essayait de remonter. Et qu'est-ce que vous entendez par interrogatoire un peu poussé? Des fois, ça allait très vite. C'est-à-dire, bon, vous savez, ce sont des méthodes assez lamentables. D'abord, on commence par déshabiller le gars pour l'humilier. Ensuite, il y a toujours quelques sadiques qui sont volontaires pour donner quelques coups de poing, quelques gifles, quelques coups de pied. Bon, et puis après, bon, dans certains cas, limite. Mais là, bon, il y avait utilisation de la gégène, quoi. Bon, ça, c'est... Jacques, vous l'avez vu ou... Ah, je l'ai vu, oui. Mais vous savez, il n'y a que les gens qui ne veulent pas... qui sont de mauvaise foi, qui vous disent qu'on n'a pas torture en Algérie. Bon, moi je vais vous donner mon sentiment très, très simplement, très franchement. Personnellement, là je suis dans un fauteuil, la torture je réprouve totalement. C'est dégradant pour celui qui la pratique, c'est lamentable. Bon, ça c'est l'aspect moral. Maintenant, il y a l'aspect pratique, il y a le contexte. La torture est dégueulasse, c'est mon expression, mais c'est la guerre elle-même qui génère la torture. Le 30 septembre 1956, en fin d'après-midi, des bombes éclatent dans deux cafés du centre-ville, le Milk Bar et l'Automatique. Bilan, 4 morts et 52 blessés, parmi lesquels plusieurs enfants qu'il faut amputer. Dirigée par Yassef Saadi, la zone autonome d'Alger du FLN entre en action. La bataille commence, prenant d'emblée le caractère aveugle d'atrocité. Les paras du général Massu entrent dans la ville et brisent la grève générale de janvier 1957. Arrestations par milliers, tortures et exécutions sommaires se succèdent. La terrible bataille d'Alger soulève la question de la fin et des moyens. Comment parler de démocratie lorsque, par la torture, on porte atteinte aux droits de l'homme? Vous allez lâcher
une poignée de parachutistes. 1500 parachutistes dans un quartier d'Alger. Arrêter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle heure, n'importe comment. Sans aucun contrôle de personne. Ça ne pouvait pas ne pas donner des bavures, comme dit Massus et lui, le terme bavure. Bavure grave.